Salut à tous. On va camper ce soir. Très près de la maison. Nous avons juste besoin de monter la tente. Hein? Quoi? Peu importe les mécaniciens. Ah, il commence à faire sombre. Allumons un feu et faisons griller des chamallows. Quand vous allumez un feu, ne vous blessez pas. Restez en retrait et soyez vigilants. Regardez, c'est Fiona le camion de pompiers et Dandy. Il doit y avoir une urgence. Au feu! Au feu! Pas de panique, les copains. Dandy est là pour gérer le danger. Attends, Dandy, stop! C'est notre feu de camp. Oups! Désolé, Gecko. C'est bon, Dandy. On va faire griller des chamallows. Fiona et toi, voulez-vous vous joindre à nous? Est-ce qu'on le ferait? Oui, merci! Oui! Oups! Désolé, Fiona! Nom d'une échelle tournante! Les commandes de Fiona sont hors de contrôle! Restez calme, tout le monde! Dandy s'en occupe! Oh. Tiens bon, Dandy! Ne vous inquiétez pas! Tout se passe comme prévu! Ce bouton devrait arrêter l'échelle! Ouf! Mettons Fiona dans le garage et réparons vite ses commandes. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. Réparons les commandes de Fiona. Regardons bien ce qu'il se passe par là. Les boutons sont cassés et les leviers desserrés. Un bon coup de pouce, voilà ce qu'on va leur donner. Contre les incendies, ces commandes sont bien pratiques. Fiona et Dandy, bon travail d'équipe. Notre boulot est fait. Réparer ces chouettes, tout le monde est satisfait. C'est tellement amusant. Merci, Gecko. Non, merci, les mécaniciens. J'adore les chamallows. On doit y aller. Quelqu'un a besoin de notre aide. Oups, pas celui-là. Désolé. Eh ben... Ah, c'est l'heure d'aller au lit, de toute façon. Au revoir, tout le monde. Ah. Bonjour, tout le monde. Nous venons de creuser ce grand trou afin de réparer un tuyau d'eau qui fuit. Allez, les mécaniciens. On va vous nettoyer. C'est presque l'heure de se coucher. Merci pour ton excellent travail, Eric. C'est tout propre, les mécaniciens. Ah. Oh. Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. Il n'y a pas de scorpion ici. Ah. Hein? Ah. Nom d'un tournevis qui tourne. C'est un scorpion géant. Attendez, je sais ce qui se passe ici. Allez, vous tous. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. D'abord, enlevons toute cette boue. Vous voyez, les mécaniciens? Ce n'est pas un scorpion géant. C'est notre ami Eric. Maintenant, allons réparer le bras de ta pelleteuse. Prenez vos outils, c'est le moment de réparer. Tournevis,
clé à molette. Et pendant qu'on répare, on chante cette comptine. Allez les mécaniciens, ne perdons pas de temps. Ces grosses vis ici, nous les déferons. Les pistons hydrauliques rendent Eric si fort. Mettons-en de nouveau en un temps record. Ah. Te voilà fixé et prêt à rouler. Dans ce si grand trou, faudra pas tomber. Bon travail, les mécaniciens. Nous avons rendu Eric fort et puissant à nouveau. Au revoir, tout le monde. Bonjour, tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. C'est une journée calme aujourd'hui. On fait un peu de nettoyage de printemps. Hein? C'était quoi ce bruit? Bobby le bus, tu n'as pas l'air bien du tout. Viens, on va t'examiner. Oh là là, Bobby ne va pas bien du tout. Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas. Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau. Allez, allez les mécaniciens. Aïe! Non! Ce n'est pas ça. Attends une minute. Aha! Le pauvre Bobby a une fuite d'huile. L'huile permet au moteur de fonctionner en douceur. On peut réparer ça. On a trouvé la source de ton problème. Il y a une fuite d'huile dans ton tuyau. Vert va boucher le trou en soudant avec des étincelles brillantes. Un plâtre gardera ton bobo à l'abri. Yeah. Hurrah! Bien joué, Bleu. Bien joué, Vert. Tu te sens mieux, Bobby? Un autre client heureux. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine au garage de Gecko. Au revoir. On a fini, les mécaniciens. C'est le soir de Noël et le garage est magnifique. Vous savez ce que vous souhaitez du Père Noël? Oh, tu ne sais pas, Bleu? Eh bien, tu ferais mieux de te décider. Le Père Noël sera bientôt là. Oh, waouh! Je ne pensais pas qu'il arriverait ici si tôt. Hein? Bonjour, Père Noël. Gecko, j'ai besoin de ton aide. Mes rennes sont malades et mon traîneau ne peut pas voler. Et je dois le conduire dans le ciel. Si je ne livre pas tous ces jouets, il n'y aura pas de Noël pour les filles et les garçons. Ne t'inquiète pas, Père Noël. Nous allons le faire voler. C'est ça. Oh, wow!
Wow! Oh. Wow. Noël a été sauvé par l'équipe de Gecko. Alors voici un cadeau pour chacun d'entre vous. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci, Père Noël. Tu as décidé ce que tu veux, Bleu? Oh, est-ce que tu veux monter sur mon traîneau? Alors monte à bord et volons loin. Ho, ho, ho! Oh, joyeux Noël de la part de nous tous, ici au garage de Gecko. Joyeux Noël! Il est temps de repeindre le panneau, les mécaniciens. Bleu, tu peux aller chercher la peinture verte et emmener Jaune sur le toit pour nous aider? Oh mince! Fiona a reçu un coup sur son pare-choc. Viens à l'intérieur et réparons-le. Vert, il nous faut de la colle extra forte, s'il te plaît. La colle n'est pas censée être verte. Bleu et Jaune doivent avoir la colle. Vite, Rouge, monte sur le toit. Oh, pauvre Rouge. On va devoir monter sur le toit d'une autre manière. Oh mince! Quelle situation délicate! Il faut te libérer avant que la colle ne prenne complètement. Fiona, on peut t'emprunter ton tuyau? Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. On va bientôt vous libérer. Bon travail, tout le monde. Fiona et moi avons l'air tout neufs. Bonjour à tous. Nous allons rendre visite à Kat. Elle m'a demandé d'apporter des objets spéciaux appartenant à mon grand-père. Et nous y voilà. Waouh, oui! Oh, oh, Kat. Tu es là? On a vu ton bel étalage et... Calme-toi, Gecko. Hein? C'est juste de la peinture pour El Día de los Muertos. Día de los Muertos? C'est quoi ça? Ça signifie jour des morts. Ma famille célèbre cette fête pour se souvenir des êtres chers qui nous ont quittés. Mi ama, ma mère, était un as du pilotage. C'était sa boussole. As-tu quelque chose de ton grand-père? Mon grand-père était inventeur. Avant de mourir, il a fabriqué les fameuses lunettes Gecko. Un petit gadget pour aider à mieux voir dans toutes sortes de situations. Je connais ce klaxon. C'est Bobby le bus. On dirait qu'il a des problèmes. Oh, ce n'est pas bon! Il fait trop sombre pour voir. Gecko, ils ne sont pas loin! Elena a des feux et peut trouver Bobby dans le noir. Bonne idée, Kat. Oh, c'est encore trop sombre! Je ne peux pas voir Bobby. Que ferait mon grand-père? On n'a pas besoin de lumière supplémentaire. Ces lunettes Gecko fonctionnent mieux la nuit. Là, je vois Bobby. Préparons-nous à atterrir. Je vais contacter Tilly par radio. Je suis content qu'on
t'ai entendu, Bobby. On dirait que ta batterie est à plat. On peut le charger à ma base. Parfait, Kat. Et avec un peu de remorquage, on peut faire avancer Bobby. Une batterie déchargée n'est pas un problème, mais elle doit être rechargée sur le champ. Et voilà, ta batterie sera pleine au matin. Tu as fait un superbe travail en trouvant Bobby dans le noir, Gecko. C'est grâce à toi, grand-père. Tes lunettes Gecko ont sauvé la mise. Même si tu ne peux pas le voir, ton grand-père est toujours avec toi, Gecko. Oui, je suis content qu'il le soit. Bonjour à tous. Bébé Camion est venu pour jouer avec les mécaniciens. Je viendrai bientôt jouer. Je dois juste finir de changer les roues de Fiona, le camion de pompier. Quelqu'un a besoin d'aide. Oh non! Il y a un incendie et Fiona ne peut pas aider. On n'a pas fini de changer les roues. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ah! C'est ça! La station de lavage. Bébé camion, ça te dirait d'être un camion de pompier pour la journée? Allez, allez, bébé camion de pompier! Tout va bien, Trevor. N'aie pas peur. Les pompiers de Gecko sont là. Oh non! Il y a une fuite! Occupe-t'en, Rouge! Tout va bien, Rouge! Pas de problème, Trevor! Ah, et bravo, bébé! Tu fais un très bon camion de pompier! Au revoir tout le monde. D'où vient tout ce désordre? Monsieur Weasel, vous allez bien? J'ai fait de Vicky le camion de glace le plus rapide au monde. Mais elle s'est envolée avant que je puisse avoir une glace. Nous devons arrêter Vicky avant qu'elle ne fasse encore plus de dégâts. Ça y est, elle arrive. Tu es prêt, Bleu? Bleu, vite, appuie sur le bouton éteindre. Bien joué, Bleu. Vous avez encore mon camion à glace. Je déteste les fusées.
appeler les mécaniciens. Allons voir s'il va bien. À très bientôt. Au revoir. Salut tout le monde. Bienvenue à nouveau au garage de Gecko. On fait juste un check-up de Bobby le bus. On a presque fini. Attendez, les mécaniciens, je suis encore en haut. Bobby, Bobby, oh mince, il ne peut pas m'entendre. Les mécaniciens, vite, faites quelque chose. Regardez, un pont droit devant. Wow, c'était vraiment moins une. Ouh. Oh, regarde, un pont haut. Bonne idée, les mécaniciens. Il faut juste que j'attrape l'échelle. Oh, raté. Et maintenant quoi? Oh! Waouh! Bien joué, Jaune! Tu as sauvé la journée! C'est bon, Bobby! Tu ne savais pas et personne n'a été blessé! Merci pour votre aide, les mécaniciens! Qu'est-ce que je ferais sans vous? Au revoir! Tu peux le faire, Molly! Hey, elle l'a fait. Ne t'inquiète pas, Molly. On va sauver ta peluche. Allez, tout le monde. Peluche sur Fiona. Suivez ce camion de pompiers. Fiona, arrête-toi. Qu'est-ce que... Allez, grenouille, laisse-moi passer. Wilbur T. Weasel arrive. Non. Le feu est toujours rouge. Attends, Fiona. Je dois regarder ton toit. Nom d'un petit boulon. Il a disparu. Ah, il était temps. Eh bien, une nouvelle mascotte pour partager nos voyages avec Sly. Où est mon appareil photo? Je veux prendre une photo. Et peut-être aussi que je vais utiliser la peluche pour nettoyer mes fenêtres. Oh, on va continuer à chercher Molly. Ne t'inquiète pas. On aurait une meilleure vue depuis le ciel. Nom d'un tournevis. C'est la peluche de Molly. Je ne m'attendais pas à ça. Où est-il passé, Sly? Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Au revoir, tout le monde. Bonjour, tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. Il y a beaucoup de boue aujourd'hui, alors nous préparons le lavage de voiture. Regardez. Voilà bébé camion qui vient se faire nettoyer. Salut, bébé camion. Laisse-moi deviner ce que tu viens faire ici. Splish, splash et splosh. Lavage de voiture de Gecko activé.
Ce n'est pas bon. Tu es encore plein de boue. Bien sûr, on ne l'a pas rempli de savon. On ne peut pas être propre sans savon. Maintenant que le savon est rempli à ras-bord, on peut laver toute cette boue. C'est bizarre. Les rouleaux sont faits pour enlever les bulles. Ah ah, c'est ça. Bébé camion est trop petit pour que les rouleaux puissent l'atteindre. Le lave-auto fonctionne et Bébé Camion est étincelant de propreté. C'est la signature de Gecko. Au revoir! Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider. Beaucoup de véhicules dans le besoin. Nom d'un petit tournevis, les mécaniciens. Nos amis ont des pneus à plat. Oh là là! On dirait que les véhicules sont fatigués d'attendre. Oh, des écrous et des boulons. Je n'ai jamais eu à fixer autant de pneus aussi vite. En parlant de pneus rapides, ça me fait penser à... Voilà mon petit Geki. Avec un très gros travail sur les bras. Comment le sais-tu? Le cher petit bleu m'a fait savoir. C'est bien de demander de l'aide de temps en temps. Merci à vous deux. Heureuse de t'aider. Comme tu m'as toujours aidée. Ainsi que tous les autres. Maintenant les enfants, on s'organise. Allez, allez, grand-mère. Bon, les mécaniciens, j'ai une idée. Tu t'es exercé, Geki. J'ai appris de la meilleure. Reviens vite, mon cher. Merci, grand-mère. Je ne me lasserai jamais de travailler avec toi. Et tu ne te lasseras jamais de tes blagues non plus. Maintenant, qui a faim? Tu mérites un peu de repos, grand-mère. Et j'ai apporté ton plat préféré, la tarte aux pommes de grand-mère. Oh! C'est maman camion et bébé camion. Pourquoi vous attendez ici? Le tunnel est bloqué et vous ne pouvez pas passer. Je vais jeter un coup d'œil. Waouh! Il y a eu un effondrement. Un autre effondrement. Nous sommes piégés à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, j'ai ma boîte à outils. On va avoir besoin d'une plus grande boîte à outils. Thank you.
Même Tilly n'est pas assez fort pour déplacer le rocher. Comment allons-nous sortir? Tu étais si forte! Maman Camion a sauvé la journée! Je ferais mieux d'appeler Eric la pelleteuse pour enlever toutes les pierres! À bientôt pour d'autres aventures au garage de Gecko! Oh, tu es bien matinal, Eric! Ouh. Les mécaniciens! Eric est impatient de faire ses réparations. Allez, les têtes endormies. Vous devriez être plein d'énergie après avoir rechargé toute la nuit. Faisons les réparations d'Eric pour qu'il puisse repartir. Ce qu'ils ont aujourd'hui. Hein? Waouh! Tu as raison, Eric. Leur prise de chargement a été débranchée pendant la nuit. Pas étonnant qu'ils soient si faibles. Allez, les mécaniciens endormis, c'est l'heure de se recharger. Oh! Échec et mat. Ouais! Ok, les mécaniciens. Vous êtes tous entièrement rechargés. Alors, mettons-nous au travail. Hihi, fini, Eric. On se revoit très bientôt au garage de Gecko. Ne va pas, Vert. Waouh! Kat et Elena viennent nous aider à installer le tout nouveau gadget. Tenez-vous prêts, les mécaniciens. Vert? Hola, Gecko! Ah, salut, Kat. Haha, voici le moment d'installer un kit extra spécial. Allez-y, les mécaniciens. Je peux lui parler, Gecko? Merci, Kat. Qu'est-ce qui ne va pas, Corazon? Tu voudrais m'aider à faire quelque chose? Tout est prêt pour qu'on procède à un essai. Attendez, on ne peut pas le tester sans verre. Parfois, je ne vais pas très bien non plus. Mais les sentiments tristes passent, comme les nuages. Nous sommes prêts au sol, Kat. Allez, allez, Elena, l'hélicoptère. À toi de jouer, Vert. Je crois en toi. Oh, oh, beau travail, Kat. C'était incroyable. Tout le mérite en revient à Vert. Oh, oh, bien joué, Vert.
voilà, Rouge. Tu es comme neuf. Ah, j'ai l'impression que c'est hier que je vous ai tous construit. Mais ne vous inquiétez pas, je garde vos plans en sécurité ici. Ainsi, je saurai toujours comment vous réparer. Si je pouvais mettre la main sur ces plans, je pourrais fabriquer mon propre mécanicien. Et mon garage serait alors le meilleur au monde. Réveille-toi, Sly. J'ai un plan astucieux. Oh, Sly, qu'est-ce que tu fais là? Où est Monsieur Weasel? Un problème avec ton pot d'échappement? Eh bien, si Monsieur Weasel n'est pas là, je vais y jeter un coup d'œil. Je vais trouver ses plans. Je vais trouver ses plans. Peux-tu me passer une pince, s'il te plaît? Laisse tomber, poubelle. Les plans sont à moi, maintenant. Ouf, je l'ai eu. Ah, tu es réparé, Sly. Hé, hey, Rouge, tu as déjà besoin d'une autre réparation? Bonjour à tous, on est sur le point d'installer le nouvel accessoire de Trevor. Vert, peux-tu me passer le... Vert, où es-tu? Vert est en train d'arroser son arbre préféré. Oh, hors de mon chemin, Minus. Je vais construire mon nouveau café de malbouffe. Et cet arbre est sur mon chemin. On dégage les poubelles. Cet arbre est de l'histoire ancienne. Monsieur Weasel, vous ne pouvez pas abattre l'arbre préféré de Vert. Pourquoi pas? C'est juste un arbre stupide. Parce que... Les pommes. Ça me donne une idée. Trevor. Moustache frétillante, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, Monsieur Weasel? L'arbre est important. Il fait pousser des pommes savoureuses. Vous n'avez pas besoin d'un café de malbouffe quand vous avez cet arbre. Tu crois que je préfère avoir des pommes stupides plutôt que... C'est délicieux! Je suis fière de toi, Vert. Tu as été courageux et tu as protégé cet arbre. Bravo! Voilà, c'est presque fini, Fiona. Voici ta nouvelle échelle. Kat, fais attention! Paula Gecko! Moi et Elena, on s'entraîne à faire des loopings! Regarde un peu! Wouhou! Wouhou! Yeehaw! Essayons d'en faire un gros! Oh, attention, Kat! Oh non! Attention, ça tombe! Est-ce que ça va, Rouge? Gecko,
Je ne peux pas atterrir sans les patins d'Elena. Oh non! Vite les mécaniciens, on doit l'aider. Va me chercher ses roues s'il te plaît. Ah, juste un peu plus près. J'essaye, j'essaye. Non! Accroche-toi, Gecko. Bleu, prends les patins. J'ai une bonne idée. Maintenant, Bleu. Un autre atterrissage heureux. Merci pour ton aide, Gecko. Pas de problème, Kat. Ça fait partie du service. Bonjour tout le monde. Je suis en train de tester Miles, la moto. Et son accélérateur reste coincé. Donc il est difficile de ralentir. Waouh, stop. Oh, il était temps qu'on répare ça. Je vais chercher une pièce de rechange dans le garage. Allez, les petits. Oupsie. Je vais t'aider à le trouver, grand-mère. Oh, la radio est toujours cassée. Hein? Ne t'inquiète pas. Gecko va te soigner. Oh, miaou, waouh! Regarde-toi! J'ai toujours voulu conduire une moto. Wouhou! Andale! Arriva, arriva! Et voilà, Miles! Grand-mère, tu auras besoin de ce tournevis. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu as donné ta langue au chat? Non! Keki, elle a ma moto! Ah! Oh, l'accélérateur est coincé! Je ne peux pas m'arrêter! Nom d'un tournevis qui tourne! Accroche-toi, Kat! Nous devons nous dépêcher! Allez, Ricky! Je peux te faire voler, chérie! Tu sais piloter un hélicoptère? Un peu rouillé, mais pilote un jour, pilote toujours. Kat, tu vas bien? Gecko, cette moto est hors de contrôle! Elle ne veut pas s'arrêter! Parce qu'on est encore en train de la réparer! J'aurais dû demander d'abord! Attends, qui pilote Elena? Pas le temps d'expliquer. J'ai un plan. Grand-mère, fais-moi descendre. Oh, hein, wow. Il est temps d'aider nos amis dans le besoin. Avec une solution pour réduire la vitesse de Miles. Dépêche-toi, Gecko. Je n'aime pas du tout l'eau. Freine maintenant, Kat. Je suis désolée d'avoir emprunté la moto, Gecko. Eh bien, en fait, Miles est l'ami de grand-mère. Waouh! Tu dois être grand-mère Gecko. Je m'appelle Catalina Felina, mais mes amis m'appellent Kat. C'est un plaisir de vous rencontrer. Si vous voulez des leçons de moto, il suffit de demander. Je suis là. Tu as la meilleure grand-mère du monde. Merci, ma chère. Elle me plaît, Gecky. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir. Oh, bonjour tout le monde. Bleu et moi allons chercher un arbre de Noël pour le garage. Oh, c'est Bobby le bus. Il est coincé. Oh. Ce chocolat chaud va te réchauffer. Ne t'inquiète pas, Bobby. On va vite te décoincer. Oh.
ce n'est pas bon. Décroche-nous, Bleu. On va essayer autre chose. Oh non! Maintenant, Tilly est coincée dans la neige. Oh, cher Bleu, on dirait que nous sommes aussi coincés. Ne sois pas triste, Bleu. Quelqu'un va nous aider. Au moins, on a ce chocolat pour nous tenir chaud. Oups! Regarde! Le chocolat chaud a fait fondre la neige. J'ai une idée! Ça a marché! Accroche-toi, Bobby! Il n'y a pas de quoi, Bobby! Mais qu'allons-nous bien pouvoir faire de cet arbre? Ah ah! Parfait! Joyeux Noël à tous! On est presque arrivés au garage, les mécaniciens. Wow! Quelqu'un a jeté des ordures sur la route. Il y en a beaucoup. Et maman recyclage n'a pas l'air contente. Allez, si on suit la piste, on découvrira qui les a jetés. La piste nous amène à gauche. Hein? C'est Dylan, le camion Ben. Son coffre cassé laisse tomber des détritus. Mais la musique est si forte qu'il ne le remarque pas. Les mécaniciens, nous devons éteindre la musique de Dylan. Recyclons et sauvons la journée. Et utilisons des choses qu'on a jetées. Dylan! Dylan! Ton coffre, il est cassé. Mais ne t'inquiète pas. Je vais le réparer, pendant que maman recyclage et les mécaniciens trient les déchets. Ah, c'est fait. Comment se passe le tri? À très bientôt pour de nouvelles aventures au garage de Gecko. Dylan, baisse le son. Bonjour tout le monde. On vient d'installer une toute nouvelle brosse au lave-auto. Voyons voir si elle fonctionne bien. Youpi! Ça marche à merveille! Bien joué, les mécaniciens! Avec ce nouveau moteur, je suis la belette la plus rapide en ville. Oh là là, je n'aime pas l'aspect de tout ceci, les mécaniciens. Burk, attention, les mécaniciens. L'huile s'est renversée partout. Arrêtez-moi ça! Nom d'un tournevis qui tourne! Monsieur Weasel est hors de contrôle! Oh, quelle énorme et méchante marée noire! Nettoyons-la de suite, vite et bien.
Mais cette huile est très collante. Oh, nous allons avoir besoin d'une plus grande brosse. Oh, bien sûr, nous pouvons utiliser la vieille brosse du lavoto. S'il vous plaît, pouvons-nous l'attacher à vous, maman recyclage? Prenez des outils, c'est le moment de réparer. Et en même temps, chantons en rythme. Pour que ce soit propre et beau, attachons cette brosse de lavoto. En rond, on la fera tourner. De l'huile, le sol sera lavé. Tournez la brosse, vite fait, bien fait. Et adieu l'huile à jamais. Prêt tout le monde? Allez, allez, allez! Bien joué, maman recyclage. Ça marche. Travail, tout le monde. Maintenant, tout est beau et propre. Oh, contrairement à Monsieur Weasel. Hein? Il se peut qu'on ait un autre client, Maman Recyclage. Au revoir, tout le monde. Bonjour à tous. Eric l'excavateur est là pour son contrôle. Vérifions qu'il est en forme et en bonne santé pour toutes les fouilles qu'il a à faire. Qui veut aider? Je crois que je vais choisir... Jaune. Je sais que tu veux jouer, mais je pense que tu t'amuseras tout autant en travaillant au garage. Nous allons commencer par vérifier ton moteur, Eric. Fais-nous un bon gros bruit. Tu peux faire bien mieux que ça, Eric. Belle prise, Jaune. On va maintenant tester ta chenille. Dernière étape du service, Eric. Voyons comment fonctionne ton bras de déterrage. Oh! Il faut un peu d'huile, Jaune. Bien joué, Eric! Tu as passé ton contrôle. Tu es donc prêt à creuser encore et encore. Tu veux aller les rejoindre, Jaune? Je t'avais dit que le travail pouvait être amusant. On se retrouve bientôt pour plus de travail et de plaisir, ici, au garage de Gecko. C'est fini! Avec ces améliorations, vous serez imparables, les mécaniciens. Oh non! Bleu! Reviens! Bleu! Il est trop haut pour que nous puissions l'atteindre. Nous avons besoin d'aide. Bueno, ici Kat. Kat, c'est une urgence. Nous avons besoin de ton aide pour sauver Bleu. Entendu, Gecko. C'est l'heure du sauvetage, Elena. Merci d'être venu si vite, Kat. Ce traceur dit que Bleu est proche. Oh! Peut-être plus proche que tu ne le pensais. Il est à court de carburant. Maintenant, c'est notre chance. Kat, fais-moi descendre jusqu'à Bleu. Il est temps d'être un super héros. Ne t'inquiète pas, Bleu. Je suis juste là.
Oh, bleu. Il est temps de tester ses améliorations. Oh. Compadre, je ne savais pas que les geckos pouvaient voler. Moi non plus. Voilà, Eric. Ton bras devrait être à nouveau comme neuf. Les mécaniciens, que faites-vous? Oh, je vois. Vous cherchez un trésor de pirate. Bien, Moussaillon. Hein? C'était quoi ce bruit? Eric a trouvé quelque chose. C'est peut-être un trésor enfoui. Je me demande ce que c'est. Oh, jaune. Ce n'est peut-être pas de l'or, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un trésor. Oh! Tada! C'est un vieux wagon de chemin de fer, les amis. Il manque quelque chose. Ah! Waouh! Eric a trouvé l'ancienne voie ferrée. Essayez maintenant, les mécaniciens. Tu vois, ce n'est pas parce que quelque chose n'est ni en argent ni en or que ce n'est pas un trésor. Allez, les mécaniciens. Voilà, maman camion. Ton nouveau pneu devrait être prêt. D'accord, les mécaniciens. Hissons cette clôture. Nous ne voulons pas qu'un autre camion ait un pneu crevé. Bébé camion, attends! Tu ne devrais pas partir seul. Bébé camion, où es-tu? Tournevis rotatif. Avec cette pluie, nous aurons besoin d'yeux dans le ciel pour trouver bébé camion. Ah, c'est ça. Kat, m'entends-tu? C'est Gecko. Nous avons perdu bébé camion. Peux-tu m'aider? Claro que si, Gecko. Je suis en route. Ah, je vois des traces de pneus. Suivez-moi. Allez, maman camion. On va retrouver ton bébé. Ne te préoccupe pas, bébé camion. Accroche-toi. Bien sûr. Bébé camion a besoin de sa tétine pour se sentir en sécurité. Mais comment la lui amener? Réfléchis vite, Gecko. L'eau monte. Ah, j'ai une idée. Voilà, bébé camion. À présent, sortons d'ici. On est en sécurité. Mais la prochaine fois, bébé camion, ne pars pas tout seul. Merci pour ton aide, Kat. No problema. Oh. Oups. On dirait que le prochain arrêt est le lave-auto de Gecko.